Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, oh alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Oh Jésus est présent, Jésus est puissant. Alléluia, amen, amen. Oh Jésus est vivant, Jésus est glorieux. Alléluia, amen, amen, alléluia. Oh élevons Jésus. Élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia. Oh, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, amen, alléluia. Oh, Jésus est puissant, il veut te parler. Amen, amen. Oh Jésus est puissant, il veut te changer. Alléluia, amen, amen, alléluia. Oh adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus, amen. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, amen, alléluia, amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Amen. Quand les bienfaits de Dieu mêlés tous devant tes yeux, tu verras
Que ton nom soit béni encore ce soir, notre Père, qu'il soit vraiment exalté et glorifié pour ta bonté et pour ta fidélité, Seigneur. Tu es toujours présent, mon Père. Merci vraiment de ce que tu nous honores de pouvoir être là dans ces lieux, dans ta maison à toi, Père Saint-Dieu, pour élever nos voix devant ton trône de grâce, mon Père. C'est une grâce, un privilège énorme, oh Dieu Tout-Puissant, de pouvoir vraiment participer, Saint-Dieu, porter ton nom encore sur cette terre, mon bien-aimé, afin que l'homme qui est sur la terre, qui ne te connaît pas, puisse qu'au travers de ton peuple, puisse te voir aussi, Père. C'est vraiment une grâce que nous puissions porter cette responsabilité, Seigneur, pour que ton nom soit encore participer, Saint-Dieu, manifester encore sa bien-aimé au travers de ceux que tu t'es choisi, mon Père. Aide-nous à être comme toi tu le veux, Père. Merci encore pour cette soirée. C'est pour ça que nous sommes rassemblés ici, Père, parce que dans notre cœur, dans notre âme, nous avons ces désirs aussi profonds, Seigneur, voir réellement, Père Dieu, te refléter encore sur cet état. Sois béni et sois glorifié. Merci pour les cantiques. Merci pour l'adoration. Merci aussi pour nos précieux bien-aimés frères qui ont quitté loin pour pouvoir venir visiter encore à cet endroit. Quelle consolation, quelle joie, mon bien-aimé, quelle bénédiction aussi, mon bien-aimé, Père Tubissant. Souviens-toi de chacun d'eux, mon bien-aimé. Père, merci pour notre précieux frère Christian. Louange et honneur à toi pour les enfants qui ont chanté, pour tout ton peuple, Père, qui, oh Dieu, a pu chanter encore ce soir. Merci pour ce temps. Oh, merci pour tout. Nous pensons à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont en connexion, car nous avons prié pour cela, Père, et pour toi, pour ta gloire, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons nos précieux frères et sœurs qui sont venus de loin. Notre précieux frère Marcel, avec notre précieuse sœur Marilyn, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et là aussi, notre sœur Martine. Et notre sœur aussi, Marie, et notre précieux frère aussi, Lloyd, et leurs enfants aussi qui sont parmi nous. Que le Seigneur les bénisse. Ils ont eu le désir de pouvoir vraiment directement venir aussi ce soir, afin que nous puissions avoir tous la communion. Que le Seigneur le bénisse richement. Et nous sommes contents, non? Que Dieu soit béni pour cela et nous le remercions pour son amour à notre endroit et la grâce que nous avons de pouvoir aussi recevoir des frères et des sœurs qui sont venus de loin comme de près. Que Dieu bénisse richement aussi notre précieux frère Yvon et notre sœur Carole. Monsieur a dit encore, je pense que j'étais en train de parler avec le frère Yves. J'ai dit, ah là 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 là, si tu étais là ces jours-là, ça allait être autre chose. Mais c'est extraordinaire, c'est vrai, c'est... Mais je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour nous et la grâce et la joie de pouvoir nous donner autant de frères et sœurs aussi. Il y en a beaucoup qui vous saluent effectivement aussi de différents endroits, que ce soit de pasteurs ou de frères et sœurs aussi, qui se connectent à cet endroit et qui trouvent aussi la grâce de pouvoir aussi avoir communion et de voir combien le Seigneur notre Dieu soutient et aussi accorde aussi la grâce que nous puissions être positionnés dans les choses qu'il lui nous a données, afin que nous marchions comme lui, il veut que nous marchions. Comme la Bible le fait savoir, et le Seigneur qui nous a donc instruit, et quand il a dit dans sa parole, effectivement, lorsque on lui a posé la question, enseigne-nous à pouvoir prier, il a répondu effectivement qu'il ne faut pas multiplier de vaines redites, ça ne sert à rien. Car votre Père Céleste, effectivement, sait de quoi vous avez besoin. Et quand vous priez, dites simplement ce qu'il y a à pouvoir dire. Et surtout, comme nous l'avons entendu, appris de lui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le désir, effectivement, de notre Dieu, que vraiment, seule sa volonté soit faite. Et c'est cela aussi qui doit être aussi notre motivation et notre désir au plus profond de notre cœur, que seule la volonté de notre Seigneur soit faite sur la terre. Vous savez, c'est très touchant quand on rentre, on voit aussi les baptistères et puis on voit ceux qui veulent être baptisés, surtout touchés parce que quand on voit, j'ai eu l'occasion d'avoir cet enfant, Glory, dans mon bureau, elle est encore jeune, elle a 9 ans. Je l'ai regardé, je lui ai posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce qui te pousse, toi, de pouvoir vouloir prendre le baptême. Et alors, vous voyez les yeux de l'enfant commencer à pouvoir s'embuer et commence à pouvoir pleurer. J'ai dit, c'est extraordinaire. Alors, elle m'explique effectivement pourquoi elle veut vraiment. Et quelque chose qui m'a dit des choses extraordinairement merveilleuses, touchantes. Alors, elle m'a dit une chose, c'est que quand je regarde ce que le Seigneur Jésus, parce que je lui dis, mais
Qu'est-ce qui te touche en lui? C'est que le Seigneur Jésus fait pour nous. Par exemple, regarde, nous nous levons le matin, on prend soin de nous, nous avons la nourriture, les vêtements, les ceci et cela. Mais quand on regarde les autres enfants, ils ne mangent pas comme nous mangeons. Ils ne sont pas tellement très bien, leur situation n'est pas aussi confortable comme la nôtre, effectivement. Mais nous, en fait, c'est la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui nous pourvoit pour nous, qui nous donne effectivement la possibilité de pouvoir. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Vous voyez, c'est... Alors je reçois aussi David, le fils de notre frère Emmanuel, et je lui pose la question. Alors là, je suis resté, j'ai dit, Dieu d'Abraham. Non, 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 non. En tout cas... Les pires peuvent parler, crier comme si nous nous taisons. Mais c'est extraordinaire. Cet enfant me fait savoir pour quelle raison il a le désir de pouvoir être baptisé. Et pourquoi il aime le Seigneur. Non, 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 non. Il me conduit, il dit, mais dans les scènes écritures. Non. Non, non, j'ai dit, Dieu du ciel, tu es vraiment bon. Alors il dit, mais dans les Hébreux au chapitre 1, j'ai dit, j'écoute. Allons, j'ai dit Jésus, mon roi. Aide-nous parce que Seigneur, nous voulons nous préparer pour rentrer à la maison. C'est la grâce de Dieu, en fait. Parfois que nous pensons que ces enfants ne comprennent pas les choses, mais le Seigneur fait en sorte qu'effectivement, qu'ils comprennent, qu'ils sachent qu'effectivement, parce qu'ils sont conscients de ce que Dieu fait, et aussi, effectivement, aussi de l'impact, en fait, de ce que notre Seigneur, par sa parole, cherche à pouvoir atteindre effectivement dans la vie de tout un chacun et surtout aussi de son peuple et qu'on voit aussi cet impact aussi, impacter aussi les enfants et leur entendre aussi répondre effectivement à cela, ça m'a étonné parce qu'il est allé même jusqu'à me parler du souverain sacrificateur. J'ai dit Seigneur. Oui, ça c'est étonnant, c'est pour ça que ne les méprisez pas comme le Seigneur l'a dit. Laissez à moi venir les petits-enfants. Et ils savaient effectivement, quand notre intuition, quand les personnes qui sont censées pouvoir prendre conscience de la parole de Dieu n'en prennent pas conscience, effectivement, le Seigneur suscite les enfants. Et tout un chacun d'eux a vraiment un témoignage qui démontre qu'effectivement, que dans le cœur, Dieu accorde effectivement. Dans les Saintes Écritures, nous lirons dans le livre de Psaumes au chapitre 3. 91, donc 91, effectivement cela, comme la Bible le fait savoir. Psaume 91, donc 91, 9, 1. Nous lisons donc le verset 1, il dit ceci. Celui donc qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, amen. Notre Père Céleste et notre Dieu, nous nous approchons encore de toi en cet instant pour te dire encore merci pour le privilège que nous avons de pouvoir être là ce soir. Et c'est vrai, tu vois aussi les services qui est pendant et que pour ton peuple, Père Saint-Dieu, et ses frères et sœurs qui vont prendre ton nom dans le jour du baptême, Père Saint-Dieu, et tu connais le cœur de ton chacun, mon Seigneur. Nous te demandons la grâce de pouvoir aussi nous éclairer encore ce soir parce que tu connais, comme cet homme pouvait dire, dis simplement un mot, même un seul mot, Père Saint-Dieu, ça nous donnera la force de pouvoir continuer encore la marche, à pouvoir te servir encore davantage. Sois donc béni, exalté. Nous te remercions, Père. Bénis ta parole, mon roi, et soutiens-nous, car je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'écrire du cœur de quelqu'un qui est vraiment au plus profond de son âme. Parce que il arrive parfois que nous nous répétons quelque chose d'une certaine manière parce que bon, on l'a lu d'une certaine manière, ainsi de suite. Mais là, ça vient du cœur de la personne. Au plus fond de son âme, effectivement, qu'il réalise qu'effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment son refuge. Donc, vous vous rendez compte, effectivement, que si il est ton refuge à toi, ce que tu as trouvé un abri certain, sûr et certain, et ça, c'est dans toutes les circonstances. Parce que, vous voyez, frères et sœurs, c'est que si nous sommes dans notre maison, vous savez, maison bien construite, effectivement, et que nous sommes à l'intérieur, porte fermée, fenêtre fermée, effectivement, et qu'à l'extérieur, il y a la tempête, il y a la pluie, il y a peut-être la neige et tout ça, quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas peur.
Parce que vous avez une protection qui vous donne effectivement l'assurance. Que même s'il pleut, l'eau ne va pas effectivement vous affecter. Même s'il neige effectivement, quoi que ce soit, la neige ne va pas vous affecter effectivement. Que les vents viennent effectivement, le mur soit épais. Donc, il n'y a rien qui peut réellement vous faire trembler parce que vous avez trouvé quelque chose de sûr et certain. Donc, vous êtes sûr et certain de sa résistance en réalité. C'est-à-dire que le matériau qui vous entoure, effectivement, vous êtes sûr que quand on l'a construit ma maison, j'ai eu à pouvoir acheter des bétons, des ceci et cela, je l'ai fait. Parce qu'en construisant, en connaissant effectivement le milieu dans lequel on vit, effectivement, on a pu penser, on a pu calculer, effectivement, que c'est pas des briques en terre, effectivement, mais des bétons et des briques, effectivement, cuites, effectivement, et puis la fondation. Donc je suis sûr et certain que quand je suis dedans, la pluie peut venir, effectivement, et les vents peuvent vraiment secouer, effectivement. On a étudié tout ça, donc là, je dors tranquille dans ma chambre, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez eu à pouvoir réellement aussi tenir compte de ce que vous avez eu comme matériaux qui sont donc construits, effectivement, qu'on a mis à pouvoir utiliser. Et même la fondation, effectivement, elle est tellement si profonde et rigide aussi. Parce que c'était quelque chose qui était sur une fondation tout à fait du sable, vous aurez peur. Ah, est-ce que, avec ce qu'il y a eu comme, ce qu'il va y avoir comme tempête, même peut-être même la boue qui va couler, est-ce que la maison va... Non, vous avez pensé à cela. Parce que le problème, c'est que si vous avez eu à pouvoir vouloir désirer habiter là-bas, vous savez que ça serait la bonne chose pour vous, dans les circonstances qui seraient difficiles, effectivement. Vous avez trouvé l'endroit qu'il faut. Donc vous avez bien regardé, effectivement. Vous n'avez pas acheté une maison avec des trous dans le mur, et avec de l'eau qui fouille encore dans le sous-sol. Non, je crois que vous faites un choix pour que le lieu où vous serez, effectivement, soit un lieu qui vous protège bien, qui est aussi agréable et confortable. Quand vous y êtes dedans, vous vous sentez bien. Donc, c'est aussi la même chose en rapport avec celui que vous avez choisi, que vous devez avoir choisi. Parce qu'on ne choisit pas comme ça. On doit avoir comprendre la raison pour laquelle je choisis celui-ci. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Dieu et je n'ai pas choisi Baal? Vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture, parce que ceux qui avaient un peu fait le choix comme ça rapidement, sans se rendre compte, effectivement, mais ce jour-là, on dit, mais maintenant, il faut que vous puissiez maintenant faire le choix en connaissance des causes. Amen. Il y a eu un temps, vous avez fait comme ça, mais maintenant, on va vous aider. Donc, Élie dit, mais on va vous aider, maintenant, il dit, mais voici maintenant, faites ceci, faites ceci. C'est lui qui répondra par le feu, donc ce sera maintenant le Dieu en qui vous devez vous confier. Non. Parce qu'il cherchait quand même un Dieu. Parce que pourquoi on cherche Dieu? Pourquoi on veut avoir un Dieu dans sa propre vie? Pourquoi on veut avoir quelqu'un avec soi? Parce qu'on a besoin d'une sécurité, du salut, de l'assurance dans tout le domaine. Je ne vais pas seulement avoir quelqu'un pour m'aider seulement quand j'ai besoin de l'eau. C'est quand il me manque de l'eau, qu'il aille aussi me chercher de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc effectivement, je veux quelqu'un qui me rassure, effectivement. C'est pour ça que les hommes ont toujours eu à pouvoir vouloir avoir besoin de Dieu. Parce qu'ils savent que si j'ai ces dieux, effectivement, ben, je serai protégé contre la famille, c'est comme ça dans la mythologie. Bon, mais ça veut dire que toi et moi, nous devons savoir pourquoi nous avons choisi ces dieux. Amen. Est-ce que c'est simplement pour que j'aie des vêtements? Parce que les vêtements, il va pouvoir. Il ne faut pas limiter Dieu pour dans les vêtements quand même. La nourriture, il va pouvoir. Mais les voitures que vous désirez, il va pouvoir. Même les maisons naturellement, il va pouvoir. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous désirez Dieu? Parce que toutes ces choses, effectivement, vous savez que ce sont éphémères, ça s'écoulera. Mais est-ce que vous avez... Parce que c'est vrai que quand on a Dieu, on doit être sûr et certain que, on est sûr et certain qu'il pourvoira pour nous dans tous les domaines. Mais est-ce que c'est pour cela seulement que vous les désirez, frère? Vous avez dit non, mais la question, vous doit savoir répondre que pourquoi vraiment vous les désirez? Il faut que ça soit vraiment une raison valable et profonde pour vous. Comme je posais la question à cet enfant de glorie. Il dit, mais c'est vrai. Pourquoi vous voulez avoir Dieu? Regardez, je ne vais pas rester longtemps dans le baptême. Regardez, quand il y avait, donc quand le Seigneur passait, vous vous souvenez des bâtiments, on en parle souvent. Bartimée a couru, effectivement, et vous voulez les dire, mais non, retiens-les, il ne peut pas, et puis lui, il dit, non, laissez-le venir.
Bartimée est venu parce qu'il a entendu les cris. Donc le maître a entendu les cris de Bartimée. Et puis Bartimée est arrivé, effectivement, mais il a regardé Bartimée. Il pose la question. Pourquoi tu me veux? Pourquoi tu me désires moi? Parce qu'il y en a beaucoup ici, vous avez, je dirais, les pharisiens, les sadducéens, tout ce que vous avez avec vous aussi, les hérodiens, tout ça, vous les avez tout. Mais pourquoi est-ce que tu me désires moi? Parce qu'il a posé la question. Que veux-tu que moi ici, je te fasse? Pourquoi tu t'es intéressé à moi? Parce que d'abord, lorsque les Hérodiens passaient, ou sacrificateurs, les Lévites effectivement passaient, jamais Bartimée n'a crié, fils de David! Et oui. Donc Bartimée, il savait très bien qu'est-ce qu'il voulait, pourquoi il voulait cet homme-là. Il a entendu passer, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Qui passe. Il était toujours là, étant aveugle dans son coin, effectivement. Il n'a jamais bougé. Même les Lévites sont passés. Les sacrificateurs sont passés. Tous ceux-là sont passés. Bartimée n'a jamais bougé. C'est quand même merveilleux. Hein? Il a fallu un jour où il était assis et quelqu'un qui passait. Est-ce que vous suivez? Parce que toute sa vie, Bartimée, quand il était là, je crois que même dans le coin de Mécanicien, il pleurait dans son cœur. Parce que tout le monde le disait, tu ne verras jamais le soleil. Tu vas mourir aveugle comme tu l'es, Bartimée. Et il pleurait dans son cœur, effectivement, il dit, mais les autres voient le soleil. Les autres voient la beauté de la fleur. Les autres voient la beauté des hommes. Ils peuvent voir les enfants. Ils peuvent même voir ce qu'ils mangent, effectivement. Mais moi, je ne vois rien. Alléluia! Je n'ai jamais rien vu. Ni apprécier ce que le Créateur a créé. C'est Bartimée avait un désir profond. Il voulait que ses yeux puissent un jour voir mon frère et ma soeur. Alors, qui peut me délivrer? Qui peut m'aider dans cela, mon frère? Vous devez comprendre et savoir pourquoi vous désirez ce Jésus. Est-ce seulement pour les miracles, mon frère? Pourquoi nous cherchons à voir ce Jésus dans notre vie? Parce que si vous comprenez l'importance et que pour vous, il y a vraiment une importance, vous ne le mettrez jamais dehors. Pourquoi, mon frère et ma soeur, quand nous avons des roues comme ça avec lui, nous l'adorons, et puis après, nous baissons comme ça. Même pour venir dans la maison de Dieu, ça baisse. C'est quand vous l'avez mis de côté que votre zèle baisse de plus en plus. Regardez vous-même, frères et sœurs. Quand le monde prend la place, avec des habitudes du monde qui rentrent, Jésus est chassé. Ceci est la vérité. Quand ce qui est de l'homme revient, Jésus n'a plus de place. Alors, c'est ça la question. Vous l'avez pris pour qu'une fois, maman, vous le rejetez. Lorsqu'il ne vous satisfait plus, vous le rejetez. Est-ce qu'avez-vous compris qui est ce Jésus pour vous? On l'utilise pour un temps. Quand ça vous convient. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça veut dire qu'ils n'auront pas besoin de l'évangile. Ils se donneront une foule de docteurs. Détournant d'oreilles de la vérité, ils se donneront une foule de docteurs. Il y en a démangeaison d'entendre des choses plus agréables. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de ces Jésus. Pour un temps, parce que quand je vais être dans mes affaires, Jésus, ça va un peu me déranger. À un certain moment, je le prends, je le mets un peu de côté. J'ai fait ce qu'il y a pour faire, et puis après, je viens les chercher. Viens. C'est ça, la place que vous donnez à Jésus. Frères et sœurs, je crois que ça doit nous interpeller tous. Oui. Nous sommes trop dans les habitudes. Nous ne réalisons pas ce que nous faisons à un certain moment.
On pense que les choses iront en train. C'est bien de chanter de Jésus. Les autres églises le font. Les gens du monde le font. Mais toi, si Jésus est pour toi, jusqu'à à quel niveau? C'est ça la question qu'on doit se poser, mon frère. On ne doit pas être comme les autres, effectivement. Parce que c'est vrai, ils les prennent pour que, ah, quand j'ai Jésus, mon business va aller très bien. C'est ça le problème. Alors, Bartimée devait savoir. Il était dans ce coin-là habituellement. Et puis bon, tout le monde le faisait que passer. Et puis bon. Mais ce jour-là était un jour. Je crois que toute sa vie entière, quand il a commencé à prendre conscience, effectivement, parce qu'un enfant ne prend pas conscience. Un an, deux ans, trois ans, il avait, mais comprend pas tellement. Mais quand il a pris conscience de ce que réellement lui manquerait dans sa propre vie, effectivement, par rapport à ce que les autres ont la joie de pouvoir apprécier, vous voyez, ça vient de plus profond. Et de moi ici, toute ma vie entière. Je peux manger la viande, mais je ne verrai pas tellement la couleur de la viande. Je peux porter des vêtements, mais je ne verrai même pas la beauté ni la couleur des vêtements que je porte. Tous les jours de sa vie, il était dans les ténèbres. Nous voyons la lumière, mais lui, Bartimée, ne pouvait même pas voir la lumière. Il ne savait même pas ce que c'est que la lumière. Depuis sa naissance jusqu'à son âge avancé, toujours les ténèbres, il ne voyait rien. C'était le cri le plus profond dans son cœur. Je vous en supplie, mon frère et ma soeur, arrêtez de jouer la comédie. Arrêtez de jouer la religion ou se dire qu'on fait comme ceci. Donc, s'il vous plaît, je vous en prie. L'éternité, mon frère et ma soeur, vous n'arrivez pas pour apprécier la valeur de cela. Posez-vous la question, pourquoi vous désirez vraiment ce Jésus? Vous, personnes âgées, moins jeunes, jeunes, femmes, hommes, enfants, petits-enfants, un jour, frère et soeur, vous regretterez d'avoir été sur la terre et vous dire, mais après, il dit, Seigneur, donc c'était vraiment vrai ces choses. Ce livre ici que nous tenons, c'est pour que vous compreniez quand même la valeur que vous n'arrivez pas à pouvoir voir comme étant la valeur. Frères et sœurs, nous ne faisons que la religion. Nous sommes des vrais religieux et des comédiens et des comédiennes. C'est ce que nous sommes devenus. Oui, bien sûr. Si nous revenons à Bartimée, imaginez, pensez un tout petit peu et mettez-vous à la place de Bartimée. Au plus profond de son âme, effectivement, cet homme n'a jamais pu voir même la couleur de l'eau. Il boit de l'eau. Vous voyez quand même, c'est vrai. On dirait que l'homme, mais quand même, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit, ma soeur, moi, que l'eau est comme ceci. Mais Bartimée n'a jamais vu le loup. C'est sur sa langue, mais bon. Il ne voit rien. Nous devons être des bienheureux, ma bien-aimée soeur. Quand il se plaint tout le temps, on se dit, mais il y en a des gens qui sont dans des situations tellement difficiles. Nous, avec les petits bobos que nous avons, nous nous plaignons.
Nous avons des situations, frères. Vous n'avez pas des situations comme les situations que les autres ont. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et es ma forteresse. Vous savez, Moïse dans les Saintes Écritures. Je voudrais que quand vous rentrerez chez vous, mon frère et ma soeur, que vous cessiez de vous plaindre. Parce que les plaintes et les murmures que vous faites témoignent que vous êtes des païens. Écrivez cela chez vous, mettez-le devant votre miroir. Quand toi tu te plains et tu murmures, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un croyant. Ça dépend de ce que vous avez, quelle religion vous avez, quelle foi vous avez, quelle Bible vous lisez, mais la nôtre. Revenons un peu plus, parce que c'est vrai que le temps sont courts. Revenons un tout petit peu plus vers Bartimée. Il a été dans cet état, dans le contrôle des médecins, voyant qu'effectivement que les autres peuvent, mais moi pas. Il cherchait vraiment de tout son cœur, peu importe ce que lui avait dit, mais il soupirait qu'un jour, qu'il rencontre ou qu'il ait la possibilité de pouvoir trouver la personne qui lui donnerait l'occasion même de voir. Je pense qu'il devait être aussi parmi ceux qui écoutaient pas certains d'Israël, je pense qu'il était peut-être, il a parlé pas, il était militaire en Israël, donc les gens, ce qu'il parlait, ce qu'il disait effectivement, les endroits où il pouvait approcher, tout ça, il avait entendu. Mais ces jours-là, comme je le disais tout à l'heure, pensez-y, mon précieux frère, ma bien-aimée sœur, que nous disons, tu es précieux, tu es précieux. Que le Seigneur vous aide. C'est ma prière profonde. Toutes les personnes sont passées. Personne n'a correspondu ou arrivé à pouvoir répondre aux besoins. Parce qu'il savait que pour toutes ces personnes qui passent là, quand ils regardent cet homme-là, pour eux, Bartimée, c'était, il vivra comme ça. Il mourra. Donc, il y a, même s'ils pouvaient avoir tristesse, mais ils sont incapables de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, Bartimée ne pouvait pas s'appuyer sur eux. Parce qu'il n'avait rien de pouvoir, parce qu'il n'y a rien. Regardez, non, je vais y arriver parce qu'il est dans. Il n'avait rien qui pouvait donner à Bartimée pour que cet homme arrive à pouvoir recevoir le désir profond de son cœur. Parce que bon, il se disait, on le regardait, il dit, mais oui, mais de toute façon, il n'a pas d'espérance. Parce qu'il sait qu'il est né comme ça. Mais Bartimée avait l'espérance que eux, ce genre-là, ne voyaient pas. Ah oui, parce que quand il passait, qu'il voyait que ce soit Lévi, tout ça, je dis, Bartimée sentait que Dieu, ça sortait rien, parce que d'abord, il se rend compte qu'il ne peut pas avoir, donc ça sera comme ça, sa vie. Mais ces jours-là, Bartimée étant aussi, il savait très bien qu'il n'y aurait personne. Bien sûr. Mais ces jours-là, en plus, il ne voyait pas. Parce que s'il voyait, il dit, oh, j'ai vu, je ne s'arrête effectivement de passer. Il ne voyait même pas. Comprenez bien. Il ne voyait pas mon frère et ma soeur. Parce qu'il n'a jamais vu. Et alors, il entend des bruits simplement des pas. Les gens qui couraient, effectivement, qui passaient, qui en a. Et là, je crois que son intérieur. Frère, parce que s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, en Israël, il y a quand même eu beaucoup de gens qui étaient comme les prédicateurs, qui passaient effectivement, donc on courait parfois, on entendait le bruit. Mais ces jours-là, on ne peut pas dire que Bartimée a vu quand même que c'était Jésus. Non, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, puisqu'il ne voyait pas, c'était un aveugle, frère. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr, comprenez cela. Il ne pouvait pas voir parce qu'il n'avait, il n'avait, il n'avait, il n'avait pas, il était aveugle, il n'avait pas des yeux.
Et voilà que les gens couraient effectivement ainsi, effectivement, ils disent, mais alors il dit, mais à ces bruits, à ces pas, il dit, mais qu'est-ce qui peut créer cet engouement? Parce que bon, c'est un engouement un peu différent. Et puis il s'approche, effectivement. Et comme on donne l'image, effectivement, comme il était aveugle, il devait avoir, de façon de voir se tenir peut-être avec une canne, effectivement. On voit l'homme, parce que pendant que tout le monde marchait, on ne s'est jamais levé, il était toujours assis parce qu'il est aveugle, il faut qu'on puisse l'aider. Mais ces jours-là, on a vu le Bartimée, le vieux qui était là, qui était toujours assis comme ça, aveugle, effectivement, avec des personnes du monde. Il dit, mais il s'est levé. La Bible fait comprendre, il dit, l'homme, je dois, il va jeter son manteau. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme ici puisse jeter son manteau? Alors qu'il ne voyait pas. Donc ces jours-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, mais c'est mon jour à moi. Amen. Comment sait-il que c'était son jour? Parce qu'au plus profond de son âme, il savait qu'un jour viendrait. Amen. C'est la vérité, mon frère. Parce que si tu n'as pas eu soif de Jésus, tu ne peux rien faire avec lui, mon frère. Que celui qui a soif vienne. Mais si Dieu t'a rassasié, il va faire quoi? C'est pourquoi j'ai dit, vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas des croyants. Mais c'est vrai, mon frère et ma soeur. Si vous me trouvez le contraire de ce que j'ai dit dans la Bible, alors venez me voir montrer cela. Et d'ailleurs, vous le chantez, non? Les plaintes et le murmure. Voilà, sachons garder nos cœurs, pas les laisser entrer. Parce que c'est le manque de foi. Je voulais simplement que vous compreniez d'abord. Les trois Hébreux croyants. C'est sûr qu'effectivement qu'ils avaient trouvé un refuge certain. Et qu'ils demeuraient dans une position où les hommes qui pouvaient le regarder, tout ce qu'ils pouvaient arriver à pouvoir penser, en fait, en réalité, eux, ils savaient effectivement très bien, oui, que les lieux dans lesquels ils se trouvent, l'abri sur lequel ils sont, la fondation, ils l'ont testé. Le mur qui l'entoure, effectivement, ils l'ont testé. Nous savons que notre Dieu a la capacité. Il ne s'étonnait pas sur des choses vacillantes, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Non. C'est ça que vous. Nous ne sommes pas ici, frères et sœurs, que nous prêchons l'évangile pour simplement amener que les gens de toutes sortes puissent arriver. Nous sommes des chrétiens. Non, nous cherchons que les hommes croient en Dieu, qu'ils aient une foi véritablement ferme dans le Seigneur. Parce que la Bible ne nous a pas dit que la foi viendrait, effectivement, d'autre chose, si ce n'est que de ce qu'on entend, ce qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est nécessaire que chaque fils et fille de Dieu puisse vraiment avoir une réelle foi, mais celle qui vient réellement de Dieu. Et quand vous et nous, nous avons cette foi faite, nous ne verrons pas des gens qui se plaindront toujours. Ah, frère, on ne sait pas. Ça, c'était hier. Quand vous venez de commencer, le bébé, oui. Les enfants, oui. Qu'on donnait de lait, qu'on pouvait entourer, effectivement. Mais vous êtes, ça fait des années, vous marchez avec Dieu. Et vous dites, allez, nous irons au ciel. Vous ne pouvez pas dire, allez au ciel en tant que bébé, frère. Je vous prends un peu le temps. C'est absolument nécessaire, frère. Que vous puissiez vous examiner parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas la quantité. Non, Dieu n'a jamais cherché la quantité, mais toujours là. Oui, bien sûr. Sur la terre, il était toujours Dieu, mais il n'a pas eu d'avoir au même milliard de croyants qui le suivaient. 12 apôtres. L'un d'eux est un démon. Vous voyez, frère et soeur, c'est parce que, comme les gens disent, ah, oh, moi, de toute façon, moi, ça ne me touche pas, mais je m'en vais. Vous pouvez vous en aller. J'ai toujours dit, mais je regarde les gens, quand je vois quelqu'un venir, il ne vient plus venir, et moi je dois le suivre.
que je vais offrir. Jamais, frère. Vous ne verrez même pas mon numéro de téléphone fonctionner sur les vôtres. Non. Je ne téléphone qu'à ceux que Dieu me met à cœur, qui téléphonent. Si vous partez, vous partez. Bonne année. Ah non. Je vais être clair. Parce que ici, on ne va pas supplier quelqu'un de rester. J'ai toujours eu à pouvoir dire, je disais à un frère, l'étranger, je dis, mais frère, c'est pas normal que tu puisses commencer à pouvoir supplier. Quand tu vois le frère qui veut pas, mais reviens frère, viens, dis, c'est pas normal que tu puisses supplier quelqu'un. Prenons un exemple, tu as ces frères ou cette sœur à l'assemblée, comme ici un autre. Et tu prêches la parole, lui, le frère ou la sœur, il voit simplement l'hostie de l'église catholique. Par exemple, dimanche, ça lui manque de pouvoir aller. Que les prêtres mettent là. Non, je donne un exemple. Que les prêtres mettent l'hostie sur équipement. Et puis retourner, s'assurer sur Ave Maria. Ça lui manque. Bon, il est assis là dans l'assemblée. Tout ce que tu dis, ça passe par là. Mais il ne voit que l'église catholique. Il voit que l'hostie. Eh bien, il veut sortir pour retourner dans l'hostie. Et toi, tu vas dire, frère, viens, reste avec nous. Mais tu vas faire souffrir quelqu'un. Il restera là, il te rendra jamais service. Parce qu'il n'est pas présent dans tout ce que vous faites. Alors, s'il veut aller à l'église catholique, laissez-le. Et puis, j'ai toujours eu à pouvoir dire, c'est ce que le frère parfois me trouve un peu bizarre. J'ai dit un jour à un frère, il dit, mais frère, il dit, oui, frère, et c'était à l'étranger toujours. Il dit, frère, les gens, et ils ont entendu, je te déteste parce que, par le bouillon, c'est là, parce que c'est là. J'ai dit, mais frère, il faut vous calmer. Si le fait de me détester fait que cet homme-là s'approche de Dieu, je suis heureux. Ah ben oui, si vous me détestez, vous me dites, et puis tu t'approches, c'est-à-dire que ça te permet de pouvoir vraiment adorer Dieu de tout ton cœur. Mais gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est que chacun de nous doit arriver à pouvoir être conscient, prendre conscience, mais en fait ce n'est pas un jeu. Il s'agit réellement de ma propre vie à moi. Ou qu'est-ce que je fais? Pour l'amour de Dieu, ne venez pas pour faire le nombre. Parce que... Non. Je préfère le répéter ici, que vous puissiez comprendre. Ne venez pas pour faire... Ça me servirait à quoi de prêcher aux gens qui n'ont même pas, qui ne croient même pas au Seigneur, mais simplement présents pour pouvoir danser et puis partir. Vous savez, vous avez un peu de temps? Amen. Vous en avez? Amen. Je surveille le temps pour vous, parce qu'on va partir. C'est toujours mieux de passer. Et puis nous avons des qui sont venus de loin, de près. Vous savez, ça nous fait beaucoup de joie. Si c'est là où nous sentons bien, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Dans les choses que notre Père nous donne, effectivement, aussi. Et nous le remercions pour ce qu'il fait pour nous en tant que peuple, les fils et filles de Dieu aussi, surtout aussi d'avoir la communion autour de la parole. Mais bien vite, effectivement, retournons à Bartimée pour ne pas perdre du temps. Alors, regardez bien, nous disons que ce Bartimée n'avait jamais vu. Mais ces jours-là, au bruit que ça passait, effectivement, Bartimée s'est levé pour démontrer d'abord que ce manteau qui démontrait à tout le monde que moi ici, je suis un aveugle, être identifié comme aveugle, eh bien je le jette. Mais Bartimée, pourquoi tu jettes ce manteau? C'était un manteau qui t'identifiait à tout le monde, effectivement, qu'il est aveugle, qu'il ne verra jamais, et de là avec le monde, il dit non. Je m'en débarrasse. Mais pourquoi tu t'en débarrasses? Il dit, mais pourquoi vous courez? Pourquoi vous courez? Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, personne n'a jamais cherché Dieu. N'oubliez jamais cela pour monter votre partie en disant, mais moi. Personne n'a jamais cherché Dieu. Que son nom soit béni. Il est vraiment merveilleux. Que Dieu te bénisse. Il est merveilleux, mon frère. Un tel Dieu, comment ne pas l'aimer, frère? C'était lourd de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alléluia! Gloire à Dieu! Et tous les jours qui m'étaient destinés étaient tout inscrits
frère, il y a de quoi l'adorer. Je vous en supplie, je ne sais pas comment me dire, mais il y a de quoi l'aimer. On ne peut pas se sentir forcé, mais il y a de quoi, vous savez, parce que lui, il te connaît. C'est comme un exemple de l'aimant qui est là, qui vous passe effectivement. Et toi, tu es un clou. Hein? Les autres sont la paille. Mais toi, tu as les clous. Et l'aimant passe, il y a une attraction. C'est l'aimant qui t'attire. Yeah. Qui pose la question, mais pourquoi vous courez? Alors il dit, mais les prophètes de Nazareth, les Jésus de Nazareth. Les gens couraient effectivement pour voir qui c'est. Oh! Mais lui, Bartimée, ce n'était pas pour dire, mais je veux le voir comme ça. Non! C'est différent, mon frère, oui, parce que vous savez, il y a la curiosité, non? Ah, il est dans tout ça, c'est comme ça qu'il est. Oh, oui, c'est vrai. Ah, oh, parce qu'on est profondeur, on l'a vu. Mais ce n'était pas comme ça. Ni pour la femme au père de sang. Amen, amen. Les autres étaient là simplement pour voir. On va voir comment on bouscule un peu comme ça. On va le voir un peu comment. Et là, c'est, ah, il est comme ça. C'est comme ça. Non, la femme au père de sang, ce n'était pas pour ça comme ça. Non, monsieur. Ah oui, bien sûr que oui. C'est pour ça que quand il s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples lui ont dit, mais même maître Rabbi, notre Seigneur, mais tout le monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur, mon bien. Ah oui. Il dit, oui. Mais la touche là de cette personne, elle est différente. S'il vous plaît, ne soyez pas comme tout le monde. Ne soyez pas comme tout le monde pour l'amour de Dieu. Et soyez comme Dieu veut que vous soyez. Et sondez-vous dans votre cœur pour savoir quel est le degré d'amour que vous avez pour lui et pourquoi vous le désirez dans votre vie. Et quand Jésus vient vraiment, vous l'avez invité. Parce que vous savez, quand vous l'invitez, il ne dira jamais non. C'est la vérité, 100%. Vous l'invitez, il vient. Simon l'a invité, il savait qui il était. Il est quand même venu. Mais ça dépend maintenant de la place que vous lui donnez. La place que vous lui donnez, il la prendra. Et là, je l'aime beaucoup dans nos frères. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai, mon bien-aimé. C'est vrai, frère. Ça, c'est touchant quand même. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y a pas de sauveur comme lui. Il n'y a pas de maître dont... C'est parce que c'est 100% vrai. Frère, pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas être comme ça. Nous, quand on est quelque part, on commence à brûler pour qu'on nous change de siège. Non! Lui, il est assis, le maître, le créateur, le donateur de tout don excellent, le Dieu vivant. Alléluia! Il pouvait exiger un trône, monsieur. C'est ce que nous nous exigeons. On nous passe quelque part un peu de plus important. On ne fait jamais des choses simples. Et lui, on lui a donné là, les côtés, même à l'extérieur. Mais j'en a... On ne s'est même pas occupé de lui. On n'a même pas lavé les pieds. Vous connaissez cela. On l'a laissé. Et je vous assure que c'est vrai. Il ne s'est jamais plaint. Il est resté comme cela. Alléluia. Mais c'est quand Dieu a voulu honorer son serviteur. Là, les choses ont changé. Il n'a pas cherché. Mais Dieu a dit, c'est mon serviteur. Vous ne voulez pas l'honorer, je vais vous prouver qu'il est le mien. Et il sera honoré plus que vous. C'est pour ça que la femme est venue. Non, mon frère. La femme n'a pas été attirée par Simon. Non. N'a pas été attirée par un autre. Non. Non. Parce que c'est lui qu'on a mis à l'écran. Alléluia. C'est Jésus-là qui ne disait rien. Assis avec ses pieds sales. Oh, que ton nom soit béni, mon roi. Tu es vraiment Dieu. Frère, nous devons être instruits, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide, ma soeur. Nous nous plaignons toujours. Nous nous plaignons toujours. Je vous en supplie. Lui, il ne s'est pas plaint. Il dit même que j'ai laissé ma barbe parce qu'il l'a arraché. C'est écrit cela dans la Bible. Et vous êtes des croyants. Tel maître, tel serviteur, tel il est, tel nous sommes. Arrête.
Je vois que l'heure avance, effectivement, ben, je vais vous laisser partir. Regardez. C'est quand Dieu a eu à pouvoir manifester maintenant sa gloire et honorer son serviteur, que maintenant, c'est pas lui qui a commencé. Hein. C'est les autres. Toujours aussi mort là. Qui lui a refusé de l'eau? Un baiser de bienvenue, les parfums, beaucoup plus de là. Tout ça, il lui a refusé. C'est comme ça de dire, ah, s'il connaissait effectivement la femme, effectivement, en question qu'il y en avait. Vous vous souvenez, non? S'il connaissait cela. Mais regardez maintenant. Ah, pendant qu'il pensait comme ça. Et puis c'est le maître qui lui fait comprendre. Il dit, mais Simon! J'ai quelque chose à pouvoir te dire. Vous vous souvenez, non? Amen. Je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas oint. Tu ne m'as même pas mis du parfum. Ni même pas donné un baiser de bienvenue. Mais depuis que je suis assis ici, vous vous souvenez? Cette femme n'a pas arrêté de pouvoir pleurer ici. Avec ses larmes, elle lave mes pieds. Avec ses cheveux, elle essuie. Vous connaissez la suite. Alors, je crois que ça doit nous interpeller, nous donner quand même à pouvoir penser. Si vous lisez les Saintes Écritures, regardez tous ceux qui vous ont précédé. La manière dont ils ont eu à pouvoir agir. Je termine avec notre Bartimée. Et voilà que quand on lui a dit que c'est les prophètes de Nazareth qui visitent, lui, effectivement, qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'on court, effectivement. Et Bartimée a commencé à crier. Personne dans la foule, ou auprès de lui, je ne l'ai pas vu dans la Sainte Écriture, vous pouvez peut-être lire pour moi, lui aurait dit que voici le fils de David passe. Non. Oui. Personne ne lui a dit. Il pouvait l'appeler aussi Jésus comme tous les autres, en disant qu'il est fils de Joseph, comme il dit, nanana. Non, il s'est écrit, mais fils de David. Donc il a fait exclusion de tous les autres. Mm-hmm. Et il l'était réellement pour lui, et c'était cela. C'est pour ça que cela a fait tourner le maître. En plus, il ne voyait pas. Il pouvait aussi se tromper sur la personne. Bien sûr. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand? Vous savez pourquoi? Il n'a pas fait de miracle. Hein? Mais quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Il a dit, de tous les prophètes, il pouvait tâtonner tout ça. Mais lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Sans hésitation. Et c'est cela ce que Bartimée a eu. Alors, les gens le repoussaient et ils criaient tellement si fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ah, il l'a reconnu et il a retrouvé la personne qui pouvait lui donner ce qu'il désirait. Qu'aucune personne, aucun prêtre, aucun ne pouvait lui donner. Il dit, mais c'est celui-là. Et quand il s'est approché de lui, on le repoussait, on le rejetait, il dit non. On le repoussait, il dit, et il criait encore plus fort. Vous connaissez, non? Et puis le maître a entendu. Il dit, laissez-le venir. Et puis on veut lui dire, mais viens, il t'appelle. Et quand il est arrivé en sa présence, il lui a posé une question. Que veux-tu que moi, je te fasse? Mon frère et ma soeur, le fait que Bartimée a pu être appelé, qui s'est trouvé dans sa présence, tous les problèmes de Bartimée. Frère, je m'arrête. Si toi, tu as trouvé vraiment Jésus, et que réellement tu reconnais qui il est pour toi,
quel est le problème dans ta propre vie qui peut faire en sorte que tu puisses arriver à pouvoir vaciller et dans ta foi, tu chantes, frère, vous n'êtes pas des croyants, vous ne croyez pas vraiment au Seigneur. C'est pour vous, en fait, c'est dit que c'est une histoire que vous avez dit, on a appelé sur le chemin, ainsi de suite, mais vous n'avez jamais cru en lui. Parce que regardez-vous, il suffit qu'un petit, comme t'as pas bouffe, maladie, ou ceci et cela, c'est comme un pneu d'un véhicule qu'on a dégonflé. Vous vous souvenez de le témoignage enfin, que je vous ai raconté ici d'un frère qui dit, ah Seigneur, maintenant Seigneur, prends-moi parce que je souffre tellement. Vous vous souvenez? Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Vous vous souvenez de cela? Il n'y a personne sur cette terre, ni moi, ni vous, qui pouvons souffrir, même à un certain degré, comme le Seigneur a souffert. S'il vous plaît, mais quand vous l'avez trouvé, mais il a souffert pour vous. Peu importe même si la maladie nous mine, c'est ce qui est cela. La maladie ne peut pas m'empêcher d'aimer autant Jésus. Parce qu'il a vaincu mon frère. Même si mon problème est grand, on veut me faire sortir de la maison. Même si je dois dormir dans un petit garage, il n'y a pas de problème. Je dirais comme Job a dit, je suis venu nu, j'ai rentré nu, je n'avais pas de briques, il n'y a pas de problème. Même si je n'ai pas de voiture, je ne peux... Frère, que Dieu nous aide. Que nous puissions nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons trouvé et qu'est-ce que ce Jésus représente pour moi. Est-ce que vraiment en lui j'ai tout ce qui me suffit ou bien j'ai quelqu'un d'autre? Alors nous lisons puis nous terminons. Psaume 91. Hein? Alors, nous lisons ça et puis nous allons nous lever, prier pour le service de baptême. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit donc à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier. Vous entendez cela? Sa fidélité est un bouclier. Donc pour toi, c'est un bouclier. C'est-à-dire que fidèle, il sera toujours. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Vous l'avez expérimenté, non? Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de qui? Voilà. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Le malheur à tout le monde existe, l'Éternel en délivre. Toujours. Aïe, que son nom soit béni. Aïe, 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 aïe. Et aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous les lions, sous la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'ils m'aiment, c'est ça le problème. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Vous connaissez Isaïe 53, non? Alléluia. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir, nous voulons vraiment te dire merci, mon béni Père Dieu, parce que nous ne voulons plus avancer dans les habitudes, mon roi. Quand nous t'avons trouvé, comme Philippe l'a dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, mon sauveur. Oh, je t'aime, mon bien-aimé Seigneur et sauveur. Peu importe, Père Saint-Dieu, que la maladie nous frappe, bien-aimé Père Tubisson, que difficulté nous tombe dessus, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous t'avons trouvé, Seigneur, comme le cantique dit, nous avons Jésus. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Aide-nous vraiment, Père Saint-Dieu, à pouvoir réaliser la grâce que nous avons dans ces bas mondes, Père Saint-Dieu, que les autres n'ont pas, mais ne m'ont pas d'ubissance et d'occasion, mais à nous, tu t'es révélé, Seigneur Jésus, oh Dieu. Tu n'as pas dit que nous n'aurons pas de tribulation, tu as dit que vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Merci, oh notre Dieu,
Et nous te remercions encore aujourd'hui, Père Dieu, que ton peuple se relève et qu'il puisse prendre courage, mon bénémoine, Père Dieu, et marcher vraiment avec toi, être conduit par toi, être aussi éclairé par toi, mon bénémoine, Saint-Dieu, parce que avec toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, Père, nous ferons véritablement les exploits, nous le disons, et c'est la vérité, mon bénémoine, Père Dieu, sois béni et sois glorifié, souviens-toi de nos frères, de nos saints, Père Saint-Dieu, qui sont malades, bénémoine, Père Tibissant, qui sont affectés, mon roi, bénémoine, Père Saint-Dieu, que les découragements ne soient pas, bénémoine, Père Tibissant, Dieu, mais que la foi, il soit fortifié par la foi. Tu as dit que c'est notre foi qui tourne ce monde. Nous soyons tous fortifiés par la foi, mon roi. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Père. Nous ne te voulons pas simplement à un moment et pas à un autre, mais dans tout temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, gloire à toi, mon Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Parce que dans toutes circonstances, tu es toujours là et tu es toujours avec nous. Bénis nos frères, bénis nos sœurs qui sont venus de loin comme des prêtres pour avoir cette communion avec nos pères et nous t'exaltons. Oh Jésus-Christ, mon roi, je te remercie encore. Merci parce que tu as touché nos cœurs, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon roi, nous te remercions parce que maintenant nous pouvons sortir avec foi, avec courage, sachant que, oh Dieu, les lendemains sont vraiment rassurés pour nos pères. Pour nous, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de quoi que ce soit. Nous savons que tu es avec nous aussi longtemps que tu es la paix. Nous sommes en paix, Seigneur. Même si la barque est agitée, Père de Bissant Dieu. Même si la tempête est bénie, Père Saint-Dieu, aussi longtemps que tu es là. Oh Père Saint-Dieu, nous sommes en paix, Seigneur. Béni soit ton nom, Père Saint. Gloire à toi pour ton amour et ta bonté. Merci pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre sœur Lise n'est pas ici. Et alors, c'est que elle n'est vraiment pas ici. Lise, et je crois que parmi les sœurs, je ne sais pas si quelqu'un de sœur. Parce qu'il y a un cantique qui nous dit, je crois que la chorale le sait aussi. Les dieux qui est dans la montagne, c'est le même Dieu qui est aussi dans la vallée. Quand tout semble bien. Vous connaissez cela? Je vous demande, vous, la chorale, vous connaissez? When God has a mountain, you see the God in the valley, when things go wrong. Vous connaissez? Ah, levez-vous, alors venez. Viens, mon gars, ils vont nous chanter. Vous allez comprendre, effectivement. Mais c'est que le docteur va nous trouver la traduction de ces cantiques-là, effectivement, que nous faisons dans ces temps-là. Je vais aller me préparer aussi pour les services de baptême. Vous n'avez pas? Hein? Vous n'avez pas de parole? Aïe, 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 aïe. Comment? Mais qui l'a chanté ici? Elle est absente aujourd'hui. Ça, c'est le jour où on a besoin d'elle. Aïe, qui dit. Alors, docteur va trouver. When things go wrong, you make them right. Let the God of them. It's the God in the valley. Mary, you should have all the things, you know. Tila? Ah, oh, Mary, you. Levez-vous, vous chantez avec elle, parce qu'elle ne veut pas. Ils peuvent chanter avec toi ou ça va aller tout seul? Ils n'ont pas la parole. Ils devraient apprendre. Hein? Merci. Alors vous, vous comprenez, soyez là, qu'ils puissent se sentir aussi soutenus. Hein? Puis je les surprise, hein? Vous comprenez? Maintenant, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être prêts. Que Dieu te bénisse. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley.
He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the talk of faith when we're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Now down in the trial and temptations, that's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. Talk comes so easy when life's at its best. Of trial and temptation, that's where your faith is really put.